C'est juste un malaise. Vous avez dû forcer sur le jardinage, avec cette chaleur. Heureusement, vous étiez là. Bon, évitez-lui les sensations fortes. Alors du coup, c'est... C'est toi qui as payé mes factures ? Oui, nos factures. C'était simplement pour repousser un peu le déménagement, le temps que tu retrouves du travail. Mais pourquoi tu nous as rien dit ? Parce que tu dis toujours que c'est à toi d'assurer tout seul, alors j'avais peur que tu refuses. Et puis, on est une famille. T'as raison. Non, je voulais vous concentrer sur vos études, Camille et toi, mais... J'ai eu tort de vous empêcher de m'aider. Je suis très fier de toi. Nous aussi, on est fiers de toi, papa. Merci pour hier soir. T'es un prince, Gilles. T'es le meilleur. Tu viens ce soir? Tu nous feras tes tours de magie? Oui. On avait un jeu de fléchettes à l'époque et ils gagnaient à chaque fois. Ils payaient sa tournée, mais alors attention, ils disaient ils payaient aux Anglais. C'est bien sa voiture. Ouais. Bon alors. On a trouvé ça sous le siège. Tu commences quand? Le 14. C'est bien. Tu sais quelle est la chose la plus immonde? La plus dégueulasse? Non. La pitié. Pourquoi? Parce que c'est sans appel. Je te méprise pas, Jacques. Oh merde. Jacques. C'est lui? Ouais, c'est lui. Il a expliqué où se trouvait le corps. On est parti vérifier. Et? Un carnage. J'avais jamais vu ça. Il y a un truc qui colle pas. Et on fait quoi maintenant? On fait rien. Eh bien, mademoiselle, je vous sens pas très sereine. J'espère que vous avez pas oublié ce qui m'est dû. J'espère surtout que vous avez apporté ce qu'on vous a demandé. Le reste arrive.